Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à comparer des données à deux variables versus à une variable que vous avez peut-être vue dans le passé. Donc, connaître la différence entre les deux pour ensuite créer une comparaison. Donc, premièrement, on a fait quelques définitions ensemble. Donc, on a déterminé qu'est-ce que c'était la gestion de données. Donc, c'était une science qui sert à tirer des conclusions à partir de des données qu'on peut trouver dans la vie courante. Donc, des données, ça, c'est comme de l'information qu'on peut aller chercher du public pour ensuite pouvoir tirer une conclusion selon les besoins. Et on utilise ça pour prendre des décisions, faire des prévisions. Ça fait comme, mettons, tu veux savoir quel pourcentage de... Est-ce qu'on devrait offrir des services en français à Barrie? On peut aller faire un recueil de données pour savoir combien de francophones habitent à Barrie. Et là, on est capable de déterminer de là, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des services en français. Donc, premièrement, on a commencé par définir qu'est-ce que c'est une étude d'une variable dans une étude. Donc, une variable, c'est une caractéristique mesurable ou observable d'un individu, bla, bla, bla. Donc, une variable, essentiellement, c'est l'information que tu es allé chercher. Okay, donc, dans une table de valeurs, vous avez déjà vu auparavant, il y avait X, il y avait Y, ou il pourrait y avoir d'autres choses dans une table de valeurs. Ça, c'était variable. Okay, donc, si on peut vous donner des exemples de variables ici. Donc, on aurait comme musique préférée, ce serait une variable. Donc, je pourrais avoir un sondage ou demander aux élèves c'est quoi ta musique préférée. Ça serait la variable parce que c'est l'information que je vais avoir cherchée. Ta moyenne en maths, le mode de transport que tu prends pour te rendre à l'école, ton sexe, ton âge, ton revenu annuel, ton poids et ta taille, ce sont tous des exemples de variables. Fait que là, on va regarder un peu, OK, c'est quoi la différence d'abord entre une étude à une variable versus une étude à deux variables? Parce que, ouais, comme on a vraiment pas mal toujours vu une variable. Donc, des exemples d'une variable, c'est comme la taille de tes élèves dans ta classe. Donc, tu peux aller chercher c'est quoi la grandeur moyenne de tous tes élèves. Ça, c'est une étude à une variable. Le nombre d'accidents de voiture à Orléans en 2012. Le niveau de satisfaction du gouvernement. Donc, ça, c'est tous des exemples de études à une variable. Tandis que si tu veux étudier à deux variables, donc je pourrais regarder ici la taille des élèves dans la classe, mais là, à deux variables, ce serait une relation entre la taille des élèves et la longueur des pieds. Donc là, on peut aller chercher, est-ce qu'il y a un lien entre ta grandeur et la grandeur de tes pieds? Donc, est-ce que si tu es plus grand, tu as des plus grands pieds ou vice-versa? Un autre exemple, ce serait l'effet d'augmenter la population d'une ville sur le nombre d'accidents de voiture. Donc, si une population augmente, est-ce que le nombre d'accidents de voiture augmente également? Là, c'est une comparaison entre deux variables. Donc, tu vas avoir sans besoin de savoir c'est quoi la population de la ville et c'est quoi le nombre d'accidents. Et encore, on pourrait faire le niveau de satisfaction du gouvernement en fonction de ses années au pouvoir. Donc, il faudrait savoir combien d'années ça fait qu'ils sont au pouvoir, donc à chaque année, versus le niveau de satisfaction envers le gouvernement. Donc, encore une fois, tu as besoin de deux variables, tu as besoin de deux requêtes de données. D'autres exemples. Donc là, si j'ai la note sans maths la plus élevée dans la classe, ça c'est une seule variable. Mais le lien entre le nombre d'heures à faire ce devoir et ta moyenne en maths, ça serait à deux variables. Donc là, j'ai besoin de savoir combien d'heures tu as passé à faire tes devoirs et ensuite, ça serait quoi ta moyenne. La relation entre le nombre d'heures de lecture et les résultats obtenus dans le cours de français, encore une fois, tu pourrais aussi simplement dire le nombre d'heures de lecture en français par semaine. Donc, regardez encore une fois, une seule variable, c'est une personne. Plusieurs variables, c'est nécessairement plus qu'une recueil de données. Le nombre de cancers du poumon au Canada en 2012, donc ça, encore une fois, c'est juste une chose, mais là, de l'autre côté, l'effet de fumée sur le nombre de cancers du poumon. Donc là, on pourrait comparer, est-ce que plus tu fumes, plus tu as de décès. Et dernièrement, l'effet de changer la puissance d'une voiture sur le coût en essence. Donc là, si ma voiture, elle devient plus puissante, donc là, il faudrait avoir les différents niveaux de puissance en comparaison avec combien que ça coûte en essence. Et ensuite, la moyenne du coût de l'essence à Ottawa en 2012, ça, ce serait simplement à une variable. Oh, trop loin. OK, donc là, encore une fois, la médiane des résultats d'une évaluation Savatier. Donc là, vous voyez, il y a juste une information que je m'en vais chercher. Donc, effectivement, je suis simplement à une variable. Là, je vais juste te ramener ça. Le temps passé à regarder la télé et la moyenne obtenue sur un test. Donc là, encore une fois, on est à deux variables. Bon, ça ne marche pas bien, bien, ça. Ah, voilà. On est à deux variables dans ce cas-ci parce que j'ai deux choses qui sont comparées. Donc, combien de temps tu passes à regarder ta télé et ta moyenne en salle de classe? Ensuite, oh, j'ai-tu grillé ça?
Ensuite, on peut aussi comparer le lien entre le nombre d'années d'études postsecondaires et ton revenu annuel. Donc là, encore une fois, ça pourrait être comparativement à deux. C'est bizarre qu'il me dit, ça fonctionne vraiment, vraiment pas bien, ça ici. Mais bon, c'est deux variables. Et la masse totale de pommes recueillies à la ferme de l'année, mais ça, effectivement, ça serait simplement à une variable. C'est drôle que je drague text here, mais il n'y a rien qui arrive à mon texte. Et bien, voilà, Smart Notebook. OK. Fait que là, aussi, on a discuté en classe qu'il y a deux façons de collecter des données. Parce que là, OK, des variables, ça, c'est le recueil de tes données, d'une certaine donnée, mais il y a deux façons que tu peux recueillir des données. Donc, il y a premièrement un sondage, il y en a qui appellent ça une enquête, ou une expérience. Donc, une expérience et un sondage, c'est quoi la différence entre les deux? Voilà, je vous ai donné les deux définitions. Donc, une expérience, c'est une étude dans laquelle un expérimentateur soumet des sujets à différents degrés d'un traitement dans le but d'en comparer les effets. Pour que les résultats de l'expérience soient valides, le degré de traitement attribué au sujet doit être attribué au hasard. Il est important que le sujet et l'expérimentateur ne connaissent pas le degré de traitement attribué. Et le but, c'est de mesurer les différences entre les effets de différents niveaux de traitement dans le groupe. Donc, ça peut être comme des médicaments, du nouveau shampoing, des choses comme ça. On fait des gens faire des expériences et ensuite on conclut selon ça. Il y a aussi des universités qui font, surtout dans les domaines de psychologie, ça, qui vont faire des expériences que tu ne connais pas nécessairement pourquoi tu fais des choses. Ils veulent voir la façon dont tu réagis. Donc ça peut être une expérience. Un sondage, ben ça, c'est des prélever des données en choisissant un échantillon qui ça représente bien la population visée. On peut décider un échantillon. Donc, ça, c'est une petite partie de la population qui va représenter la population. Et avec ceci, on peut prélever des données sur cet échantillon. Donc, contrairement à l'expérimentateur, tu ne veux pas influencer les données. Donc, tu veux purement que ça soit entièrement. C'est comme des questions à répondre, des choses comme ça. Tu veux vraiment que ces personnes-là aient leur opinion totalement honnête là-dessus. Donc, le but, c'est d'estimer c'est quoi l'opinion de la population au total, donc tout le monde. Estimer qu'est-ce qu'ils pensent en utilisant l'échantillon comme tel. Fait que là, en salle de classe, on a utilisé une comparaison entre la grandeur et la longueur de ton avant-bras. Et si je pourrais vous donner un exemple, donc mettons ça serait les petits points pour chaque élève, donc la grandeur en centimètres et la longueur de son avant-bras en centimètres. Donc, on a mis tout des petits points. Et ce qu'on fait avec ceci, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une droite la mieux ajustée. Donc, on trace une droite à peu près au milieu afin d'être capable de généraliser qu'est-ce qui se passe. Donc, là, on peut voir qu'à mesure que l'élève est plus grand, il y a un avant-bras qui est plus grand. Donc, nécessairement, ça devrait faire du sens. Tu aurais de l'air bizarre en tabarouette. Tu aurais un petit avant-bras je sais pas moi, de 25 cm, mais que tu es 195 cm de grand. Ça ferait bizarre. Et ça serait mal commode quand tu manges, il va falloir que tu te rapproches de la table. Donc là, tu sais, avec ceci, est-ce qu'on est capable de prédire la longueur d'une personne qui a 1,95 mètres? Ben oui, ben effectivement, on peut regarder ici, si tu es 195 cm ou 1,95 m, tu vas avoir un avant-bras qui est approximativement 31 cm. Okay? Donc là, oui, effectivement, il y a des anomalies. Là. Je regarde celui qui est 190, il a un avant-bras de 32. Donc ça, c'est un Michael Jordan ici. Là. Donc ça, nécessairement, c'est une anomalie. Il ne fit pas dans le modèle qu'on a créé ici, mais c'est toujours une généralisation qu'on fait de le scénario. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.